Maintenant, je voudrais qu'on parle ensemble, Lionel, de Georges Castéra, qui est lui aussi un poète majeur. Alors, Georges Castéra est né en 1936. Vous lui rendez souvent hommage. Vous venez de le faire déjà plusieurs fois. Cette très belle anthologie qui s'appelle donc « L'encre et ma demeure », vous faites une préface où vous parlez de son enfance, de son origine sociale. Donc, il est issu d'un milieu intellectuel. Et dès son enfance, il va échapper aux conventions, d'abord sociales puis littéraires. Vous parlez d'escapade vers l'autre pour décrire son parcours. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette rébellion qui va marquer la vie de Castéra ? Intellectuel et bourgeois. Il est peut-être issu d'un milieu petit bourgeois, provincial. Castéra, c'est la grande bourgeoisie haïtienne de l'époque, père médecin, d'ailleurs, il s'appelle Georges Castéra, fils. Donc, fils du docteur Castéra, 11 ans en Espagne pour étudier la médecine, et quand il revient, alors il va laisser l'Espagne pour aller à New York, il n'a pas terminé ses études de médecine, il s'est retrouvé dans des mouvements anti-franco, et il va se retrouver à New York à créer des syndicats haïtiens dans le milieu ouvrier, à travailler dans les entreprises de construction, c'est vraiment l'enfant perdu de la bourgeoisie. Ce garçon, dans la langue haïtienne, on dit que c'est une perte sèche, parce qu'on l'avait préparé à toute autre chose que ce qu'il est devenu aujourd'hui. Georges Castéra habite un tout petit appartement, il n'a pas de voiture, il a 76 ans, l'argent, la richesse, même le statut social, pas quelque chose qui entre dans la vie de Georges. C'est un homme qui vit modestement et qui, comme René, a toujours été disponible pour les autres. Et qui, lui, a été vraiment un militant politique actif. Et un véritable exilé. Le mot exilé est devenu aujourd'hui une sorte de, je ne sais pas, de passe-partout pour parler de n'importe quoi. Il y a tel critique américain qui parle de Lionel Trouillot, de l'exil dans l'œuvre de Lionel Trouillot. Moi, je n'ai jamais été exilé en Haïti. Un exilé, c'est quelqu'un qui a dû laisser le pays, parce que s'il ne laissait pas le pays, il serait mort. Donc nous, on ne plaisante jamais avec ce mot, on ne donne pas d'autre sens au mot exilé. Donc c'est pour ça, quand on entend tous ces discours littéraires de l'exil intérieur, quelqu'un qui est parti gagner sa vie est exilé. Non, en Haïti, on ne plaisante pas avec ça. Parce qu'on a connu de vrais exilés. Et genre, Émile Ollivier, il serait resté en Haïti. D'ailleurs, il a essayé de rester en Haïti, mais il n'a pas pu. Jean Coulanges, il a dû partir en exil. Il est revenu, il a vécu un temps, on le met dans un avion, il revient encore une fois. Donc, pour nous, l'exilé, c'est vraiment quelqu'un qui a dû partir en Castéra. Une semaine après la chute de Jean-Claude Duvalier, Georges Castéra était de retour en Haïti. Il était de retour en Haïti, et voilà quelqu'un qui a vécu 30 ans à l'étranger. Toute la période de Duvalier, il a vécu à l'étranger. Jamais dans son œuvre, jamais dans sa vie, une référence à ce temps-là. Et quand on le lit, impossible, quand il écrit ses recueils en français ou en créole, de dire qu'il parle à partir d'un autre lieu. C'est comme si Haïti ne l'avait jamais laissé. Alors l'importance de Georges, c'est que c'est le premier vrai grand poète haïtien de langue créole. Il y a eu des essais, il y a eu Félix Maurice Auleroy, dont l'œuvre est importante sur le plan de l'histoire littéraire, mais en termes de qualité littéraire, Castéra va introduire dans la poésie d'expression créole tous les acquis de la modernité. C'est-à-dire, il peut être surréaliste en créole, il peut être... Tous les acquis de la modernité sont présents dans l'œuvre de Georges en créole. Et ça... Moi, j'ai rencontré Castéra quand j'avais 15 ans. Et j'avoue que c'est cette rencontre qui m'a poussé à écrire en créole. Je me disais, tiens, on pouvait faire ça dans cette langue. Donc, notre mémoire littéraire commence en créole, commence en fait avec Georges Castéra. Il y a quelques textes avant, Choukoun d'Oswald Durand, quelques poèmes de Massillon Kouakou, la traduction des Fables de La Fontaine en créole par Georges Sylvain, la poésie de Maurice Auleroy. Mais la naissance de la poésie haïtienne de langue créole à elle-même, c'est vraiment l'œuvre de Castéra. Alors là, quand il commence à écrire en créole, on est dans les années 50, et c'est vraiment un acte courageux.
Ah, c'est un acte courageux, c'est dans l'isolement total. Comme je vous l'ai dit, Castéra a vécu 30 ans à l'étranger, mais personne ne le connaît en dehors d'Haïti. Et encore une anecdote, moi je reçois un prix littéraire en Suisse, donc je deviens quelqu'un d'important puisque j'ai été primé par l'étranger. Et parmi les organisateurs de ce prix, il y a quelqu'un qui va organiser un autre événement littéraire qui me dit, puisque maintenant, comme l'étranger me connaît, je deviens quelqu'un, qui me dit, Lionel, est-ce que tu pourrais me donner une liste d'écrivains à inviter? Évidemment, je lui donne une liste. Et le premier nom sur la liste, c'est le nom de Georges. C'est le nom de Georges Castéra. Les mois passent, 6 mois après, il m'invite à l'événement, je vais donc à l'événement. Évidemment, il y avait Dany Laferrière, il y avait Louis-Philippe d'Alembert, il y avait Émile Olivier qui était encore vivant, il n'y avait pas René de Pestre parce qu'il avait boudé l'événement. Donc il y avait ceux qui étaient publiés à l'étranger. Et j'arrive, je lui dis, mais t'as pas invité Castéra? Il me dit, tu sais, on n'avait pas beaucoup d'argent, je n'ai invité que les plus grands. Et j'oublierai jamais ça. Alors, plus grand, alors si vous allez demander à Louis-Philippe d'Alembert et à Dany Laferrière d'ailleurs, qui parle de Castéra dans l'énigme du retour, plus grand, ça n'a aucun sens. Castéra, c'est vraiment la présence. Et j'organise les vendredis littéraires dont je parle. Georges Castéra prend, et le transport public en Haïti, c'est pas comme ici. Georges Castéra, à son âge, il laisse son petit appartement de Pétionville en tap-tap. Il fait une partie du chemin à pied. Il vient tous les vendredis au vendredi littéraire écouter les jeunes. Et c'est cette présence-là. Et aujourd'hui, c'est le poète le plus imité. Tous les poètes haïtiens font ou ont fait du Castéra. Alors on va écouter justement du Castéra et on va écouter ce poème que je trouve assez extraordinaire. Il est très court, il s'appelle « Première réponse ». Ça nous donnera une idée de la révolte de Castéra et de son impatience. Ah, quand il n'y aura plus aucun salaud à abattre, notre part de vitesse sur le temps sera énorme. Il faudra bien un jour engranger, prendre acte que nous sommes depuis si longtemps interdits de printemps. Alors, justement, Georges et René, ils sont tellement différents l'un de l'autre. René, c'est l'étalement, c'est l'abondance. Georges, c'est la concision, la précision. René, c'est le rythme. Georges, c'est un travail incroyable sur l'image. Et voulant ériger la poésie vraiment en système de pensée. Alors, j'ai, en parcourant cette anthologie, en la lisant et en la relisant, j'ai remarqué qu'on était toujours dans des appels. Les textes sont soit des cris, soit des dits, soit des réponses, soit des lettres. On a toujours l'impression qu'il y a des appels incessants vers l'autre, vers la vie. Oui. C'est des adresses en permanence. C'est des adresses en permanence chez Georges, mais beaucoup plus violentes, hein. Beaucoup plus... Très directes. Très directes. Très direct, c'est quelqu'un qui dit, bon, on a assez perdu de temps. Allons-y, faisons ce que nous avons, faisons ce que nous avons à faire. C'est justement, il n'aime pas du tout l'étalement, il n'aime pas du tout, je dirais, un lyrisme personnel de celui qui souffre, qui pleure sur ses amours. Quand il fait une concession à la femme qu'il aime, il dit, quelquefois je redeviens mortel, mon amour. C'est tout ce que Castéra va vous dire de ce qui se passe à l'intérieur de son cœur, pour employer la vieille métaphore. Il a cette pudeur dans sa poésie pour justement produire une poésie de l'appel qui en même temps est d'une rigueur au niveau de l'écriture. Rien n'est laissé au hasard. Alors justement, parce qu'on parle beaucoup de Castéra, de ses engagements politiques, de sa rébellion, mais il y a aussi une célébration, et notamment une célébration du corps. Je voudrais, Agnès, si tu pouvais nous lire « Clameur ». Il y a un extrait de Casi Parlando qui est paru en 93, je crois. Ton corps a l'élégance des portes ouvertes. C'est l'été. Nous avons honné des mots pour le long terme. Voici l'arbre sous parole. Tes rires ont repeuplé le jour. Merci. Encore la concision, et c'est vrai, ça c'est important, on avait l'impression en lisant les poètes haïtiens que c'était un pays dans lequel les gens ne faisaient jamais l'amour. Alors Georges a introduit la liberté du corps, et surtout la liberté du corps féminin dans la poésie. Voilà, une poésie très revendicative, mais aussi en disant, merde, on a le droit de jouir, on a le droit d'être heureux dans la vie de nos corps. C'est toujours quelque chose de très concret chez Georges.
Justement, sur cet aspect très concret de son écriture, sur son attention particulière au monde, il y a vraiment une acuité vis-à-vis du monde, une sensibilité particulière. Je voudrais, Agnès, si tu pouvais lire le premier poème qui s'appelle « La lettre sous la langue » et qui, lui, est extrait des cinq lettres. Je t'écris pour te dire que je vis à fleur d'encre dans une ville de béton armé. On tire lamentablement dans ma rue. Dire est déjà trop dire, le bonheur sous chloroforme. Qui habitera avec nous cet espace mensonger, l'incertitude de ce pays, à faune à force de faire des promesses, à des bonheurs sans complices, à des rêves de plein jour et de plein pied. Déjà l'ellipse, ma main coupée en deux. Il faut trancher, je suis un homme qui du rebord piégé de la lune et du rebond de la lettre et du piège de l'esprit appelle la folie devant la mer en ruine. Et puisqu'il te faut un récit court, celui des fous derrière la porte, des lapsus ou des masques allumés qui font un bruit de poulie dans les eaux, je t'écris pour t'apprendre que j'ai longtemps parlé avec les poings serrés pour ne pas crier avec l'horizon qui fait naufrage. Alors j'ai choisi ce poème, que je trouve extraordinaire, aussi parce qu'il y a ce va-et-vient qu'on va retrouver dans d'autres poèmes, entre un questionnement sur l'écriture et une révolte, comme s'il y avait quelque chose qui était indissoluble entre ces deux questionnements, l'engagement et le questionnement sur l'écriture elle-même. Est-ce que c'est le cas ? C'est le cas, la poésie de Georges est une poésie, et c'est pour ça que je disais que pour lui la poésie est système. La poésie est système, elle est mode de pensée. Il y a toujours une réflexion sur la poésie. D'ailleurs, c'est lui qui a choisi le titre de l'anthologie. Moi, j'ai réalisé l'anthologie, mais l'encre est ma demeure. C'est un vers de Castra lui-même. Et toujours cette interrogation vis-à-vis de la poésie. Qu'est-ce que le langage ? Qu'est-ce que le langage peut nous dire du réel ? C'est permanent. C'est permanent chez lui, avec des convictions politiques très fortes d'un côté, et de l'autre côté, toujours cette recherche de quelle est l'écriture politique la plus pure étant aussi la plus directe, pour dire les choses, à la fois dans l'opacité, dans la polysémie nécessaire à l'écriture politique, mais aussi dans une transparence de l'intention humaine. Et je pense que c'est ça la tension qui habite tous les textes de Castra, une volonté d'être limpide sans passer par les procédés, je dirais, de la raison pour aboutir à cette limpidité. Et c'est pour ça que quand les jeunes font du Castra, souvent ils disent « Écoutez, ce que vous faites n'est pas ce que moi j'ai essayé de faire. » Parce qu'on dirait que vous essayez de créer des images pour des images, d'accoler les mots. Moi, l'image, pour moi, c'est une façon d'arriver ou d'essayer d'arriver à ce que je cherche à dire. Il y a toujours cette volonté d'exprimer quelque chose. Pour continuer, pour que vous saisissiez encore une fois cette relation entre l'écriture et les enjeux qu'il y a derrière cette écriture qui sont autres que politiques, Agnès va nous lire un texte qui s'appelle « Terre brûlée » et qui est extrait du recueil « Rature d'un miroir ». Je n'ai pas toujours été bref. Mes mots ont pris de la vitesse à mesure que s'élevaient les murs entre les choses les plus évidentes, les plus évidées. À défaut de souffle, je t'ai porté, mon amour, comme une horloge qui pleure encore la perte de ses aiguilles dans un mur interminable que quelques-uns nomment la cage du malheur. Ouais, de l'urgence et 30 ans à l'étranger, mais toujours à l'écoute des événements. Parce que dans cette poésie, on peut se dire de quoi il parle, mais il y a un nombre incroyable de références aux différentes conjonctures que nous avons pu connaître en Haïti. Tout y passe, Kennedy, George Bush, il écrit toujours Obama, Jean-Bertrand Aristide, les politiques y passent, la vie quotidienne. Il passe les derniers événements politiques, tout est là. Tout est là. Il est toujours à l'écoute de la réalité immédiate sans être prisonnier de cette réalité-là, parce que ça renvoie
à quelque chose, je ne veux pas dire d'éternel, mais quelque chose qui s'inscrit quand même dans une permanence de l'humain. Et enfin, Agnès, j'aimerais bien que tu nous lises Point commun. Donc, Point commun, c'est un extrait du recueil Brûlé qui est plus récent puisqu'il date de 99. J'ai froid dans ma pure coupure de noyer. J'écoute mes propres pas dans ma propre mort. Je parle secrètement aux pierres. Je crie vers l'infini pour retrouver la pierre que j'ai lancée. Mais toujours des mots, des morts, des mots. Mes phrases perdant des morts en chemin des mots. Mon corps crie, crisse dans la mort épidémique. La grimace fait peur aux enfants. Être poète, c'est habiter la mort. Je marche tranquillement sur mes os. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est quand même, quand on parle de la littérature haïtienne, moi j'ai rencontré, j'enseigne aussi la littérature à l'université, mais j'ai rencontré des universitaires étrangers qui disaient les caractéristiques de la poésie haïtienne sont premièrement, deuxièmement, troisièmement, ça ne va jamais au-delà de cinq. Alors quand on prend des poètes comme Castra et Philoctète, si vous pouvez leur trouver des caractéristiques permettant de dire la littérature haïtienne, c'est ceci ou cela, eh bien bravo. Moi, je tiens à parler de deux, parce que voilà justement des exemples de ce que c'est que la diversité de l'écriture poétique haïtienne. Ce n'est pas quelques individus qui font tous les mêmes choses, c'est au contraire des intentions humaines, même des choix politiques différents et des choix esthétiques différents. Est-ce que vous-même, quelles influences vous pourriez découvrir chez vous, dans votre écriture, quelles influences a eu Georges Castéra? Oh, je crois que, un peu comme tout le monde, peut-être un peu plus que tout le monde, parce que j'ai eu la chance de les... Parce que vous avez été très... Vous j'ai eu la chance de les côtoyer, de les fréquenter. Oui. Et physiquement, j'ai été... Philoctète m'appelait, il me disait, ton père, c'est un individu, un intellectuel de droite des classes moyennes, à partir de désormais, c'est moi ton père. Donc, c'était ça. C'était ça, René. On se retrouvait d'ailleurs plusieurs, parfois, à dormir chez lui, et nos parents ne l'aimaient pas beaucoup, parce qu'ils considéraient que c'était celui qui nous amenait au désordre, à la débauche, il n'y avait pas tant de débauche que ça, il nous faisait boire d'alcool quand on était mineur, mais c'est pas grave. Et puis Georges, oui, moi j'ai rencontré Georges, j'avais 15 ans, j'avais écrit un poème, il me dit, c'est pas bon ton truc, mais un jour ça viendra, et c'est parti de là, il continue de le faire, maintenant il y a des jeunes de 15 ans qui continuent, qui vont le voir chez lui, tout fatigué, il dit, ah Lionel, il vient de m'emmerder là, mais allez, lis ton truc. Cette disponibilité-là, je crois que ce que j'ai peut-être le plus hérité de, c'est peut-être prétentieux de le dire, c'est ce devoir d'être disponible. Ce devoir d'être disponible et sortir de toute mythologie de moi, le grand créateur, la littérature, c'est de l'humain dans le travail d'écriture, et puis c'est tout. Et puis une certaine sévérité, de la bonté, mais aussi de la rigueur. C'est jamais des gens qui vont mentir sur leur choix esthétique. Ils préfèrent perdre des contrats, ils préfèrent perdre des histoires de statut, mais ils ne trahiront pas, ni dans leur lecture de vos textes, ni dans ce que eux font, ils ne trahiront jamais ce qui pour eux est la vérité esthétique. Merci Lionel. Je vous propose, avant qu'on parle... de Lionel Trouillot et de ses écrits. Ça, c'est pas nécessaire, on peut continuer à parler de Philoctète. Si, mais moi j'y tiens. Parce que vous êtes aussi poète et je voudrais qu'on entende votre poésie, que vous nous parliez un petit peu de ce que vous écrivez. Si vous avez des questions que vous voulez poser à Lionel sur la poésie haïtienne ou sur Georges Castéra ou René Philoctète, vous pouvez le faire maintenant. Vous êtes rassasié de poésie, n'est-ce pas? Bon, on va vous laisser peut-être 2 minutes pour réfléchir. Moi, pendant que vous réfléchissez, je voudrais vous présenter le dernier texte de Lionel Trouillot qui s'appelle « Le doux parfum des temps à venir » qui inaugure une nouvelle collection chez Actes Sud qui s'appelle « Essence ». Et donc oui, c'est l'inauguration, hein, c'est vraiment le premier texte de cette collection qui est un texte qui se lit comme un long poème. Si je vous raconte l'histoire de ce poème, ce qu'on peut raconter l'histoire de ce poème, c'est une mère qui...